Il était une fois un monstre que tout le monde appelait Petit Monstre. Petit Monstre passait son temps à faire peur à tout le monde, et tout le monde trouvait ça drôle. Mais un jour, un méchant monstre qui s'appelait Covid débarqua et terrorisa tout le monde, et aussi Petit Monstre. Et cette fois-ci, c'était vraiment pas drôle. Du coup, tout le monde et Petit Monstre devaient rester enfermés chez eux en attendant que Covid s'en aille. Tout le monde ne pouvait plus aller à l'école, ni Petit Monstre. Et les journées étaient longues à tourner en rond toute la journée. Heureusement, tout le monde et Petit Monstre avaient le droit de sortir avec leur famille une fois par jour pour se promener. Il leur suffisait de rester en famille, de ne pas s'éloigner à plus d'un kilomètre et d'avoir une attestation et leur papier d'identité. Et une promenade. C'est une chouette idée pour ne pas tourner en rond toute la journée. Et puis l'école Juliette était ouverte du lundi au vendredi entre 10h et 11h. Et les parents de tout le monde et Petit Monstre pouvaient aller chercher des livres. 5 par enfant de la famille. Parce que des livres... C'est une chouette idée pour ne pas tourner en rond toute la journée. Mais aussi des attestations officielles pour pouvoir se déplacer, les devoirs à faire pour ne pas prendre de retard à l'école, du papier, des crayons, et tout ce qu'il faut pour les devoirs et aussi pour dessiner, inventer des histoires. Parce que dessiner et inventer des histoires... C'est une chouette idée pour ne pas tourner en rond toute la journée. Et c'est comme ça que tout le monde et Petit Monstre pouvaient attendre tranquillement que le méchant monstre Covid en ait marre et s'en aille très très loin.